conseil que je vous donne. En tant que ministre de la Défense, mais chaque jour, vous devez convoquer ces généraux, cet état-major-là, pour vous faire l'état des lieux des avancements des opérations. Mais qui vous interdit de le faire? Alors, si ces généraux ne vous obéissent pas, dites-le-moi aussi. Hein? Dites-le, nous sommes la représentation du peuple ici. Ici, c'est le peuple. Dites-le, ne vous cachez pas parce qu'on vous fait des motions ici. Parce que vous êtes responsable vis-à-vis du peuple ici. Ce ne sont pas ces généraux. Ça ne marche pas, on vous sanctionne vous. Et ces généraux vont rester, ils vont rouler carrosse, ils vont prendre du caviar avec l'argent qui détourne. Prenons vos responsabilités, monsieur le ministre. Ceux qui meurent là sont nos frères. C'est vrai, nous sommes dans le lieu sacré, mais attendez, devant de pareilles situations où il y a des pertes en vie humaine, nous ne pouvons pas être insensibles. Voilà, dès demain, à la quinzaine, quand vous reviendrez ici, venez avec des bilans. Ne nous dites pas que nous avons repoussé. Oh, nous avons. Non. Quand vous repoussez ces rebelles, vous les enlevez d'un point A vers un point B, n'est-ce pas? Ce qu'ils faisaient, les exactions qu'ils commettaient au point A, ils vont les connaître encore au point B. Mais vous n'avez rien fait. Là, vous n'avez rien fait. Et l'armée ne peut pas attendre d'être attaquée pour répliquer. L'armée s'en va là-bas pour attaquer à l'entour de l'ennemi. Oui, nous avons dit que la question doit être débattue sans état d'âme et sans passion. Mais au moins, nous disons ce que nous ressentons. Oui, n'est-ce pas? Il y a lieu de calmer nos collègues de l'Est qui ne pensent pas qu'il n'y a que eux qui se soucient de cette question. Ça nous tient à cœur et nous le disons à qui veut nous entendre. Merci beaucoup.